Dans le cadre d'un reportage sur la religion, nous sommes allés questionner des jeunes de l'école Beau-Soleil concernant leur vie religieuse. Moi, je suis catholique. Pourquoi vas-tu à l'église? Je vais à l'église tous les dimanches pour montrer à Dieu que je le supporte. Connais-tu beaucoup de religions? Oui, la religion juive, catholique, protestant et musulman. Maman, c'est quoi ta religion à toi? Ah, j'en ai pas. Maman est athée. C'est quoi ça, athée? Athée, ben c'est quand t'as pas de religion. Pourquoi moi j'en ai pas de religion? Ben, quand t'es venu au monde, là, maman a décidé d'attendre. Puis je me suis dit, quand il va être grand, il va pouvoir choisir. Il va choisir son guide. Un guide? Oops. Si tu t'en vas comme ça. Je pars à la recherche de la religion. Bonne chance. Madame? Madame? Chut! Madame, elle se trouve où la religion sur ce globe? La religion, mais elle est partout, mon petit homme. Comment ça, partout? Je l'ai cherchée toute la journée. Je l'ai pas trouvée. Quand tu seras plus grand, tu comprendras, mon homme. Nicolas, t'es où encore? Je commence à être tannée, là. Thank you.
Le catholicisme s'oppose au protestantisme, opposition qui débouche sur une terrible guerre civile. La tension entre musulmans et hindous en est l'inspiration fatale et fondatrice. L'organisation signe ce qui est parfois considéré comme le premier acte de violence du conflit en abattant un civil catholique. Une guerre sainte est une guerre lancée au nom de Dieu. Le clivage religieux a été le prétexte de violence qui déclenche l'hystérie. Qui avait tué des centaines de musulmans. Pourtant, l'organisation des communautés religieuses partagent en commun. Les conflits naissent souvent de l'assassination volontaire d'un symbole religieux. Des ce conflit semble être à l'origine des attentats qui déclenchent l'hystérie. Il y a au moins 52 morts et 152 légions et le seul cœur de bombes. Responsable des guerres, du terrorisme et qui risque demain de nous basculer vers une guerre mondiale.